Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit aparté maquillage parce que nous, celles qui ont les paupières tombantes, on a vraiment beaucoup de mal à se maquiller. Moi, j'ai galéré aujourd'hui, j'ai dû faire un liner qui va pas tenir du tout hein, dans la journée, des années 70 parce que j'ai les paupières au ras des pâquerettes, hein. Donc j'ai dû mettre une tonne de liner juste pour qu'on voit un tout petit peu. Mais ça a toujours été comme ça pour moi. Hein. J'ai un petit peu les yeux comme ça avec les paupières tombantes. Bref, ce petit aparté terminé. Nous sommes mardi. Hier, j'ai fait tout. Enfin, j'ai fait les dessous de verre. D'ailleurs, est-ce qu'on dit sous de verre ou dessous de verre? Parce que j'ai cherché sur Google et les deux sont possibles en fait. Je ne savais pas. Donc j'en ai plein. J'ai une collection, les amis. J'ai vraiment adoré faire ça. C'est pour ça que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Si, j'en ai fait 7. J'en ai fait 7. Ma fille, elle m'a demandé celui-ci, le blanc avec des petites fleurs fuchsia et les feuilles vertes claires. C'est super rapide. Alors, je vous dis pas que c'est super facile. Hein. C'est le point jasmin. D'ailleurs, j'ai vraiment eu du mal hier pour tourner ce tuto. Je buguais pas mal, j'ai dû faire pas mal de reprises, de prises, parce que j'avais pas les termes en fait pour expliquer bien les choses. Alors je l'ai fait, je l'ai refait jusqu'à ce que je sois à peu près contente. Donc j'espère que ça va aller et que vous allez réussir à les faire, parce que si vous arrivez à les faire, je trouve que c'est tellement joli. Attendez, j'en ai un vert. Du coup, j'ai mis un petit bougeoir que j'ai acheté. Oh là, comment elle s'appelle cette boutique? Sostengren. Sostengren? Sostengren? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas du tout un partenariat ni rien du tout. Hein. J'ai trouvé ce petit truc qui coûte vraiment pas cher. Vous voyez, c'est un petit manège d'oiseau. Et quand vous allumez la bougie, par la chaleur, le manège tourne et avec la lumière de la bougie, ça fait plein de petites lumières trop mignonnes la nuit, enfin le soir. Et je l'ai mis sur celui-ci. Je trouvais que ça allait bien avec. Bon, du coup, j'ai plein de dessous de verres, de tasses, de mugs, je dirais même, parce qu'ils sont grands quand même, hein. Ils mesurent 17 cm de diamètre. Moi, j'adore. Je peux des fois, enfin, je peux non, des fois, je mets mes ciseaux dessus, puisque vu que ma table fait beaucoup de bruit, quand je fais des tutos, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour poser les ciseaux, sinon ça arrache les oreilles. Bref, donc ça c'est fait, j'ai fait le montage et aujourd'hui je suis en train d'exporter le tuto pour pouvoir le mettre en ligne demain, donc tout va bien. Et je suis en train de faire également avec le même fil la Justin Baby aujourd'hui. En ce moment, j'ai décidé de les pelotes que j'ai achetées, vraiment de toutes les utiliser au maximum. Et je suis en train de faire le châle Equinox. Je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'ai. Alors, c'est un châle queue de dragon, je ne sais pas si vous voyez. Et avec des pics comme ça sur le dos, enfin avec des pointes. Et sur les pointes, j'ai envie de faire des feuilles. Mamma mia! Je suis en train de travailler, comme je vous ai dit hein, déjà, et je suis en train de travailler surtout avec deux brins, ce qui me permet en fait de faire un dégradé de couleurs. J'ai six couleurs en dégradé de couleurs. Ça va de la couleur moutarde jusqu'à une couleur violette magnifique, bleu-violet. Je pense que ce châle, tel que je l'imagine, va être très très beau. Surtout, j'espère pouvoir le faire aussi gros. Surtout, j'espère pouvoir le faire aussi grand que possible
Et au bout, donc comme je vous disais, il va y avoir des feuilles bien travaillées, des jolies feuilles vert foncé, vert clair, enfin un vrai châle d'automne, le châle équinoxe. Et puis je vais continuer et je vous dis à plus tard. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your till then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Thank you.
J'ai fini mon châle, les amis. Je suis trop contente. Je vais vous le montrer. Alors, les feuilles, je les ai faites au moins 3 fois. Je ne savais pas quoi faire. Alors, on dirait des cœurs, mais c'est des feuilles. Mais on dirait des cœurs. Oh, j'adore. Ma mère m'a dit, mais c'est des cœurs. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, de, bien sûr, de rajouter. Ça fait comme des petits pompons. J'adore. J'ai hâte de faire les photos et de voir ce que ça va donner. Parce que toutes ces couleurs-là, je suis fan. Et alors, j'ai fait un test en plus grand crochet, comme ça. C'est vrai qu'on dirait un cœur, hein. Mais finalement, j'ai préféré faire plus serré. Donc, j'ai pris un crochet plus petit. Et il est trop doux. Il est trop beau. Et en plus, j'adore, en fait, le porter comme ça. J'adore vraiment le porter comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, les feuilles en bas, elles maintiennent, en fait, le châle en... comme si c'était un chauffe-épaule. Voilà. Je suis trop contente. Je trouve magnifique. Je trouve qu'il porte bien son nom. Equinox d'automne. Alors, je suis en train de faire... enfin, je vais commencer la fleur de tournesol, puisque j'ai vu que vous étiez intéressés. Et puis, donc comme ça, c'est un ouvrage qui... je pense que je vais le faire d'une seule traite. Le tuto, je veux dire, tourner le tuto. Et, mais avant de m'attaquer à ça, parce qu'à mon avis, je vais en avoir pour peut-être une demi-journée, voilà. Une demi-journée, vu que je l'ai déjà fait, ou une journée avec en tournant le tuto. Et entre temps, je me suis attaquée à un plaid dont j'ai très envie depuis très longtemps. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. Je voulais faire un plaid en point zigzag, comme ça. Alors, c'est pas un grand plaid, hein. C'est un plaid taille enfant, taille nouveau-né, bébé. Peut-être que ma sœur va me le piquer. Et alors, comme j'avais pas envie, j'avais envie de le faire rapidement, j'ai pris un crochet 5. Et ce que j'ai fait, c'est que mes pelotes Bravissimo que j'ai en trop, en fait, je les crochette en 2 brins, voyez. Tac. Je prends le brin à l'intérieur et le brin à l'extérieur, et puis je fais mon plaid. Et ça va très très vite. Une fois que j'aurai fini ce joli point zigzag, vous voyez, j'aime bien ces couleurs, je vais continuer un petit peu avec ces couleurs-là. Bah, vous voyez la boîte là, c'est que des Bravissimo que j'ai qui me reste du cardigan fall. Donc, je vais les utiliser. Je suis en train de faire une rangée, une couleur par rangée. Voilà. Et puis après, à la fin, j'ai envie de faire une très très belle bordure. Je pense que ce point-là nécessite pas forcément une bordure puisque c'est du zigzag. Mais j'ai quand même bien l'envie de lui travailler, de réfléchir à une jolie bordure. Et je suis en train de aussi réfléchir à une pochette accrochée, puisque vous m'avez demandé aussi ça. Et ça fait un moment que j'ai très envie d'en faire une en tapisserie. Et voilà, en tapisserie, j'en ai fait une il y a longtemps, une bleue, mais je crois que c'est ma fille qui me l'a piquée. Voilà, alors celle-ci, j'ai envie de la faire avec peut-être du tissu à l'intérieur, je ne sais pas. Je vais voir, je suis en train de réfléchir à ça. Je suis en train de regarder sur Netflix une mini-série qui s'appelle La fille perdue. C'est une histoire de serial killer, de true crime. J'adore les histoires, moi, de criminels. Et bon, je ne suis pas en train vraiment de le regarder, je l'écoute plutôt. Il faudrait que je me mette un jour au podcast,
Alors, j'écoute les podcasts de Christophe Ondelat. Moi, j'adore. Ondelat raconte. Mais bon, je diversifie pas beaucoup. Faudrait que je me mette. En plus, j'ai Spotify. Bref, faudrait que j'en profite pour découvrir d'autres podcasts. Si vous avez des podcasts à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, les amis, je vais continuer là. Il est. Je sais pas quelle heure il est, mais le soleil se couche. Et puis voilà, je vais continuer tranquillement mon petit plaid devant ma petite série. Et je vous dis à plus tard.
Coucou les amis, nous sommes vendredi et je vais bientôt clôturer le vlog. Mais d'abord, je voulais vous montrer le châle puisque je lui ai fait en fait un changement. Voilà, alors j'ai retiré les feuilles et en fait, voilà, j'ai fait des petites pièces rondes comme ça avec les couleurs du châle. Ce qui me gênait en fait, c'est que j'ai fait les feuilles trop serrées. En fait, j'ai fait les feuilles avec une taille de crochet plus petite. Du coup, c'était assez. En fait, ça alourdissait le châle. Alors que là, je lui ai rajouté. J'ai crocheté avec la même taille de crochet. En fait, j'aimais pas la différence de maillage qu'on a là et la différence de maillage qu'on avait avec les feuilles. Je les ai gardées, les feuilles. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez la différence de maillage. Du coup, ça l'alourdissait et j'aimais pas trop. Alors, je voulais garder l'idée de faire une finition comme ça, parce que moi, j'adore. Je trouve ça trop joli. Et voilà, du coup, voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pareil. Alors, j'ai fini la fleur de tournesol que vous allez avoir demain. Voilà, demain c'est ce tuto là. Donc lundi la fleur de tournesol et mercredi vous aurez le châle équinoxe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la fleur? Je suis pas très douée hein, pour enrouler les fils autour d'un machin en fer là, d'un bâton en fer. Mais bon, la deuxième fois j'ai réussi un petit peu mieux. Il y a moins de cata. Elle est vraiment très jolie. Dans le tuto, je vous ai fait le tuto avec les deux couleurs. Du centre, couleur marron foncé et moutarde. Mais c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a un, j'ai changé de couleur et l'autre, j'ai continué avec la même couleur. Et puis, les pétales, je me suis amusée à les plier comme ça pour lui donner une forme un peu plus réaliste. Même si, bon, dans la nature, je pense que les pétales, je ne sais pas, ils s'envolent peut-être avec le vent. Poétique. Voilà, je suis très contente. Il y en a une qui est pour ma fille, la petite, là, celle-ci. Et celle-ci, je vais la garder pour moi. Mais bon, pour l'instant, elles sont toutes les deux ensemble. Elles décorent mon bureau, qui est très automnal. Voilà. Les amis, les Maine Coon, ça parle. Et ça parle d'une façon très particulière. Walter, il me fait des monologues, je vous dis pas. Et Kiki, elle s'y met aussi. Là, il y en a deux, là. J'en ai quatre, hein. J'ai quatre chats. Deux Maine Coon et deux chats de gouttière. Sauf que les deux chats de gouttière, ils sont noirs et blancs. Donc, quand vous les voyez dans les vidéos, peut-être que vous... Parce que souvent, vous me dites des bisous aux trois chats. Mais j'en ai quatre. Sauf que, oui, les deux chats de gouttière, les noires et blanches, elles se ressemblent beaucoup, beaucoup. Voilà, ils vont très bien. Souvent, ils se couchent tous les quatre, là, sur mon lit. Quand il y a le plaid, ils adorent. Quand il y a le plaid en crochet, ils adorent. Pour celles qui ont des chats... Et qui se laissent faire hein, par les minous et qui voyez qu'ils vous détruisent vos ouvrages au crochet, faut pas les laisser faire. Hein. Moi, faut les éduquer. Non,
Non, tu fais pas ça. Non, bon, alors c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est comme les enfants, hein. Faut être derrière et puis leur dire, leur répéter, mais au bout d'un moment, ça rentre. Donc moi, au final, ils le font plus. Donc voilà. Sinon, bah, les amis, j'ai continué mon plaid. Je suis en train de regarder Monstre. C'est sur un fait réel. Alors, le réalisateur, c'est celui qui a fait la série Jeffrey Dahmer, que j'ai adoré. Bon, c'est un peu spécial, hein. C'est très spécial, c'est sur un tueur en série, mais moi j'ai adoré, j'ai dévoré cette série. Et là, je suis en train de regarder Monstre sur l'affaire Menendez. C'est Kyle et Eric Menendez, deux enfants qui ont tué leurs parents. C'est le même réalisateur. Et en plus, dedans, il y a Javier Bardem, que j'adore. Cet acteur, je le... Il est génial. À chaque fois, dans ses films, ou dans les... Bon, là, c'est une série. Mais à chaque fois que je le vois, il se transforme. Il prend vraiment des personnages. Je sais pas, il change de look. Il rentre dans la peau du personnage. Je l'adore. Et en attendant... Enfin, en regardant Monstre, je suis en train de faire mon plaid. Et enfin, je sais pas si ce sera mon plaid ou on va voir, hein, parce que je voulais l'offrir à ma sœur, enfin au bébé de ma sœur, mais pour l'instant je vais le garder parce qu'il est très joli, je l'adore vraiment, je kiffe grave les couleurs et tout. En le faisant je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas fait à la taille du lit, mais peut-être que je vais faire je sais pas, là j'ai la flemme de tout défaire et de recommencer, puis je sais pas si je vais avoir assez de fil, parce que là je suis bien partie sur vous voyez, sur les coloris. Je suis en train de me défaire de toutes mes pelotes, enfin de tout. Quelle bonne blague. De quelques pelotes de Bravissimo. Mais ouais, je sais pas si je vais en avoir assez pour faire tout le lit, mais comment j'aurais aimé. Je sais pas. Là, je me retrouve dans un vrai dilemme. Parce que je le vois là, en fait. Ça me fait juste un échantillon. Enfin, ça fait un petit plaid. Un petit plaid pour bébé ou même pour un lit à une place. De jeunes, mais pas pour mon lit qui fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est fond. Je sais pas. En même temps, je me dis, je peux le commencer et puis je crois que je vais me laisser tenter. Je vais le défaire et le refaire à la taille de mon lit parce qu'il est vraiment très très beau. Vraiment, je l'adore. Je voulais ce truc, enfin, un plaid comme ça depuis tellement longtemps. En même temps, ouais, je peux le défaire et puis voilà, le continuer en regardant des petites séries, des petits films. Voilà, et bien j'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi, les amis. Je pense qu'il va être long, j'ai hâte de le monter. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine, un bon crochet. Et je vous embrasse bien fort et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!